Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est toujours avec un peu plaisir, nous, entrer la caillou pour capable porter pour vous une autre émission Zoom Haïti et TV. Nous connaissons donc qui est déterminé pour bah, toute actualité sur le pays d'Haïti et puis analyser ensemble avec un personnage donc, qui est mérité, donc, qui n'a place. Donc, c'est notre objectif, ça, nous connaissons, donc, nous avons commencé depuis quelques semaines, de rencontrer avec plusieurs personnalités. Et dernière émission, donc, c'était semaine ça même, nous avons parlé avec et Josué et Mérilien, donc, lui-même qui c'est, secrétaire général l'UNO, côté nous, et tu as discuté avec les sous problèmes et système éducatif pays d'Haïti, ou même y a fait face, nous avons avec les tout, quelques autres sujets. Je dis, hein, nous, à continuer à faire analyse, mais nous allons parler sous Conseil électoral provisoire, président Jovenel Moïse, donc lui-même, il a décidé de mettre campé, c'était hier, donc il a gagné, ils ont arrêté qui sortit côté président, donc lui-même, il a annoncé qu'il a mettre Conseil électoral provisoire campé, et Conseil électoral, ça, il a gagné plusieurs secteurs, donc qui représentaient la dernière parmi eux, c'est secteur handicapé qui gagnait et lui, Alex Noël, gagnant secteur paysan avec coopérative, qui est représenté par Nadia Jules Amédée, gagnant secteur droits humains, qui est représenté par Guillaume Mésadieu, et puis Antonio Détil, lui-même, c'est représentant secteur jeunesse, gagnant Patrick Numa, lui-même, qui est représenté syndicat, et puis gagnant Esperantia César, lui-même, qui est représenté et diaspora, d'après ça, et nous sommes capables d'arrêter ça. Gagne tout. Josette Massillon, donc, qui est représentant organisation femmes, et puis gagne Révérend Guy Roméus, lui-même, c'est représentant des cultes réformés. Et puis, dernier moment, donc, c'est Marie-Josmaine Joseph-Pierre, lycée représentant secteur Vaudou. On a arrêté ça, et président, donc, avec les restes membres de l'administration, l'a fait connaître, conseil électoral provisoire, ça, a gagné, donc, pour mandat, pour capable organiser référendum et constitutionnel, donc, pour capable permettre au pays à gagner une autre constitution, et puis, organiser élections locales, municipales, législatives, avec présidentielles. Et puis, et dernier, donc, mission Conseil Sagan, c'est organiser élection pour tout l'autre poste qui est capable vacant ou bien poste qui est même potentiellement capable de venir vacant d'après ça. Arrêter ça lui-même, lit et fait qu'on est. C'est non, et on dit que ça, donc nous, après, c'est voir. Jeudi, hein, et secrétaire, et, en fait, directeur exécutif, toujours faire ça, directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance. Pierre Espérance qui fait nos plaisirs aujourd'hui hein, pour lire avec nous, malgré qu'on ait les gagnants, un calendrier qui est très chargé. Pierre Espérance, c'est avec un peu plaisir nous apprécier dans Zoom Haïti TV. Bonsoir, comment ça est? Bonsoir Emmanuel Paul, bonsoir tout le monde qui attend de nous. Et nous là, nous avons bataille et nous avons goûté. Et nous toujours goûté pour la société, nous en situation d'état des droits. Dans un pays côté que tout indicateur en question d'état des droits est au rouge, je ne jeudi en Haïti. Quelle espérance nous a annoncé, en fait, nous sommes expliqués là, il y a un nouveau conseil électoral qui mettait en sous place, c'était hier et vendredi, arrêté, donc les mêmes les sorties. Et qui genre même, ouais, et nouveau conseil électoral, ça. Constitution 1987, là, ou bien si nous sommes capables de dire Constitution 1987 amendée, il était prévu un seul conseil électoral provisoire dans la disposition transitoire et en attendant qu'il était mis conseil électoral permanent. Et dans la disposition transitoire, ça, il était prévu pour premier conseil électoral provisoire qui s'était quoi là-dedans. C'est comme ça, de 1987 pour le jour aujourd'hui, après il était fin formé premier conseil électoral provisoire dans la disposition transitoire. Yo pa jam rive, en tout cas, tout le gouvernement qui passe, yo pa jam rive mette conseil électoral permanent. Et c'est vrai, et avant Constitution 1987 là, t'es amendé, et nous t'a capable dit, pour te rive mette conseil électoral permanent sous pied, structure t'es un petit genre lourd. Eh bien, l'évènement des constitutions, hein, et en 2000,
10 et sous René Préval qui vient rentrer en application en 2011, il vient prévoir ça, c'est trois pouvoirs qui pour désigner trois monde dans chaque CPO. Qui pouvoir ça yo? C'est trois pouvoirs que vous connaissez, c'est pouvoir exécutif là, pouvoir judiciaire avec pouvoir législatif là. Sous et Matéli, c'était un petit peu difficile parce que Matéli était sorti dans l'élection, il était président, si je ne me trompe pas, et le parti politique qui était mettait sous pouvoir, ou bien qui était candidat à la partie ça, réponse paysan, pourquoi il était seulement trois parlementaires. Mais à la fin, il était venu un contrôle et chambre de députés, mais c'est toujours un problème entre l'exécutif avec le Sénat. Mais depuis Jovenel monté président, il était en contrôle et tout parlement, une majorité écrasante dans le Sénat et chambre des députés, il n'est pas arrivé à mettre CPA et sous pied. Quand il y a là, tout conseil électoral provisoire qui vient de former après premier et CP provisoire, il a fait son base consensus. C'est à partir d'un accord politique avec parti politique qui vient bailler une légitimité avec tout CEP qui formé et depuis 1987. Et malheureusement, le président n'a pas fait ça. Il a décidé de choisir le secteur par lui, sans un accord politique. Donc, quand il a limité un CEP. Et il faut que nous disions, l'élection, c'est pour le parti politique d'abord. C'est les partis politiques qui concernent d'abord. Et parti politique yon pas concerné par CEP ça, exécutif la pas chita avec yon, pour yon jouen un accord, pour yon di men ki jen yon pral forme CEPA et ki mission avec mandat CEPA pral gen. Donc c'est président qui décide unilatéralement, arbitrairement, illégalement, qui li monte un conseil électoral et provisoire avec 9 membres et li choisi. Et secteur qui est livré. Mais Pierre Espéra, c'est sur ça que je suis venu ensemble avec vous avant d'entrer sur les très rapidement, je vais vous répondre. Maintenant, nous, ouais, et nous songeons, Matéli, qui font expérience comme ça. Il était monté au conseil électoral, et donc pour compte lui, c'est-à-dire, et lundi pour compte lui, pas de bien le secteur, dans tout le secteur vital, parti politique qui n'a pas mis, et pas mis, nous songeons, et le conseil électoral, ça qui est dans la tête, li. Nous songeons, et Emmanuel Ménard, quoi, si je ne me trompe pas. Maintenant, nous, le conseil, tu as obligé de craser. Donc, et Jovenel, jeudi, il n'a pas pris leçon sur ça qui était passé, donc très récemment, sur Michel Matéli. Et je dis, donc, il met un conseil électoral avec deux mondes, donc, qui est presque, m'dadjou, des anonymes. C'est-à-dire, m'bavle dit, c'est des mondes qui n'ont pas gagné dans la société, puisqu'ils représentent des secteurs quand même. Et, mais dans le sens que c'est pas des secteurs vitaux de la société qui ont même été entendus pour faire ça, genre, et ça t'est fait dans le dernier conseil électoral provisoire qui t'est gagné. Hein? C'est ça, m'te besoin de faire comme point avant de mettre baou et comment se continuer. Première action qui pour faire, qui pour bail une légitimité, une crédibilité avec accès EPA, c'est un accord politique avec les partis politiques. Et Michel Matéli a monté trois CEP. Il y a un qui a Emmanuel Ménard dans la tête, un deuxième, José Pierre-Louis, un troisième, Maître Fritzo Canton. Et tout CEP, ça a été fait en dehors constitution. Et par exemple, Matéli a monté le conseil électoral provisoire avec José Pierre-Louis. Les salles, ils montent le conseil électoral provisoire avec 6 membres. Tu as 3 pouvoirs exécutifs, 3 pouvoirs judiciaires, mais le Parlement n'a pas de 3 membres. Donc, le fait que Matéli a monté toutes ces pays sans un accord politique, sans consensus, mais toutes ces pays sont morts. Donc, ces pays ne sont pas liés à aucun côté. Donc, Michel Matéli a monté 3 CEP, et Youn qui a gagné José Pierre-Louis dans la tête, Emmanuel Ménard, et puis après ça, Maître Fritzo Canton. C'est là, en 2014, le président Matéli a formé une commission qui a gagné la Dani, Evans Paul, et
te gen plizye lot moun la dani, e te gen om da fe e la dan tou, e se menm komisyon sa, te gen Gabriel e Fortuné, e Reginald Boulos ki te prezident komisyon sa, e se komisyon sa ki te debouche sou, e nan rekomandasyon komisyon sa te debouche sou, e depar, e demisyon, e Louan Lamotte, et puis et te gen paquet de plot mesures qui t'accompagne li et là ça on te prévoit un CEP et provisoire et puis comme te gen accord politique et c'est accord politique ça qui te bon des derniers CEP côté connait yo CEP et au point Pierre Louis au point avec CEP et Léopold Bélanger et tout des CEP ça on a préparé un accord yo te fait sur une base accord politique. Donc jodia pas gagne accord politique, donc CEP ça pas gagne légitimité. Maintenant Pierre Espérance, dis-nous nous ouais dans CEP ça gagne un représentant organisation droit monde, expliquez-nous qui rôle RNDDH était joué, il était consulté, il était dit pas voyer monde ou bien et donc nous pas au courant de monde ça qui représentait organisation droit monde. Et pas oublier RNDDH c'est membre PYDH, la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains. Et en général, les CEP cap monté, CEP provisoire, si secteur droits humains et droits des yon moun, yo kon bay et PYDH pour organiser processus là. Et m'a dit tout, même si yote invité PYDH exécutif là ou bien la présidence té écrit PYDH yote mandé pour organiser processus ou bien pour impliquer dans processus là PYDH pas tapé impliqué pour plusieurs raisons parce que et non pas jamais à l'entrée dans avec exécutif là pour violer la loi et pour bailler un exécutif un pouvoir que la loi pas bali donc et si té gen un accord politique nous ta capable bailler 10 ans sous CEPA. Mais le fait que pas gagne accord politique ça nous pas entrer dans ça mais il y a une autre raison tout qui t'a fait nous pas entrer c'est question et insécurité d'état qui n'a vivre en dans pays là c'est des violations systématiques droit monde qui n'a vivre dans pays là et ces armes pouvoir larguer dans les bandits pour terroriser massacrer population dans quartier défavorisé et sans compter tout et la police nationale là qui c'est seule force publique qui gagne qui joue aujourd'hui c'est une institution qui est instrumentalisée donc c'est pour nous dire que processus ça pour nous même nous pas jamais entrer là-dedans nous pas connait dans quel moment et yo t'a discuter et pour choisir monde donc nous pas rien à ouais à choix qui fait et nous pas gagner ouais ni de près ni de loin avec monde qui choisi pour CEP mais maintenant si vous voulez moi ta capable et moi ta remet dire bagaille sous mission CEP ça n'a fini sous mission en talais comme ça tout de suite maintenant c'est vrai nous pas au courant de monde qui représenter lui mais monde ça qui représenter et CEP ça et moi c'est pas trop premier c'est Guiland mes adieux qui t'aime checker notre main toujours pour moi oui c'est Guiland. C'est Guillaume Desadieu, est-ce que nous avons l'habitude de travailler avec lui? Son monde secteur connaît, nous ne sommes pas d'accord pour nous voir le monde, mais au moins nous son monde nous connaît. Bon, nous reconnaître lui, parce que Marie-Li, qui c'est Antonal Motimé, était secrétaire exécutif plateforme, non? Et non, époque jusqu'à l'année 2015, je ne me rappelle pas, ouais, et il était dans le PYDH. Donc nous reconnaître lui et lui-même l'a dirigé une organisation et a parlé de Guiland et qui est les amis du monde donc il a dirigé une organisation droit monde et donc et Antonal lui-même l'a dirigé et défenseur plus donc et oui nous reconnaître lui nous pas rien habitude travail et ensemble ça et parce que eux même yo dans droit et ti monde alors que nous-mêmes nous pas vraiment travaillé sur thématique ça mais nous reconnaître lui
Mais ça, nous capable m'apprendre pour encore, nous pas rien rien à voir avec les choix qui t'a fait ni de près ni de loin, nous pas participer dans aucun processus et pas aucun monde et qui était même arrivé parler avec un monde dans PADH pour demander qui gens ouais un CEP et m'abdou si yo te vinn avec question ça nous t'a dit yo et nous croit que pour un CEP d'abord faut qu'on accord politique mais c'est non même accord politique ça et yo t'a dit mais qui ça qui pour faire mais qui ça qui pour faire avant arriver à lancer et ou bien t'a dit et enclencher processus électoral là donc pas de gain ça nous même nous esclaves la loi nous esclaves constitution 1987 là nous esclaves et déclaration universelle droit monde avec tout accord traité et convention haïtien pour quelle que soit raison nous pas t'après mettre nous bon côté un exécutif pour passer une constitution pour les constitutions et en papier pour toute bataille peuple haïtien menait pour la liberté d'expression liberté d'association donc journée jodi a ou tout a qui ça retirer dans main nous et dans sens ça nous pas t'après cautionner ça exécutif là voulait faire côté que président déjà annoncé lui il dit après bon Dieu c'est lui-même et donc c'est lui-même qui pour bailler pouvoir et c'est lui gain pouvoir et l'elle vient former Genève là tout et à m'a parlé et pouvoir Genève l'a dit la prochaine élection quoi ligne et pour mon entrer dans quartier populaire c'est sous autorisation Genève là et pour mon capable gagner élection c'est avec ZAM yo va gagner élection. Donc pour toute raison ça nous voyons qui sont plan machiavélique que pouvoir gagner et pour yo renouveler et PHTK donc nous pas d'après rentrer dans processus comme ça à moins que tu as un accord politique dans accord ça yo ta capable résoudre problème question désarmement résoudre problème cadre des malogues là résoudre problème insécurité d'état qu'on gagne en dans pays a et ajouter c'est accord politique ça qui t'a pas légitimer et CEPA pas rien ni il pas existé nous pas entrer dans aucune discussion ni de près ni de loin sur question formation CEP qui t'a dit l'on parle de Genève là donc c'est groupe et bandique met tête ensemble donc parce que conseil électoral là gagne 9 membres tout moi gagne des monde sur réseaux sociaux qu'après les Genève tout donc c'était en précision maintenant on t'a parlé soumission et conseil là qui gagne donc sont trois missions principales pour organiser un référendum pour capable changer constitution hein, et puis mettre élection législative présidentielle locale et puis faire élection pour toute l'autre poste qui t'a capable venir vite d'après ça et président donc lui-même l'a annoncé non arrêté là c'est ce soir d'avoir venir donc m'a ba ou occasion pour répondre sur lui rapidement ou gain article 284.3 constitution 1987 amendé il dit toute consultation et qui gain tendance pour ta modifier et constitution ou bien changer constitution par voie référendum li interdit. Ça veut dire et constitution et pas reconnaître référendum et kounye la yon pouvoir yon exécutif nan on arrêté qui baille au conseil électoral provisoire mandat pour faire référendum ça c'est yon l'autre violation à c'est ça nous les crimes c'est ça nous les crimes trahison et crime haute trahison c'est ça lié parce que exécutif là président il là pour faire respecter sa constitution a dit et dans article 136 dans article 150 constitution il dit que président république là il pas capable bay tête li au pouvoir que constitution a pas ba li. Et moi, ce doula, article 284-3 de la Constitution, dit que pas capable de gagner consultation, pas capable de gagner référendum avec sous Constitution ou avec Constitution. Oui, mais bien, ma petite, on continue, mais ce n'est pas jeudi. Hein? Non, président a baissé tête. Alors, ce n'est pas Jovenel, parce que le président, bien entendu, a baissé tête et mandat qu'elle n'a pas gagné. Non, mais là, elle est plus loin.
Oui, Dans c'est ça. l'esprit, dans le cas président Jovenel, là, quoi, excusez-moi, frère, on a souffert en Haïti. Et pour tellement de violations systématiques, droits de l'homme, violations de la Constitution. Et c'est ça que vous avez dit dans le commencement échange là. Tout indicateur dans la question de l'état des droits, au rouge, ça après. Par exemple, il y a l'autre président qui contente de faire l'autre bagaille. Mais sa président fait, ça, on a dit, c'est le dernier goutte d'eau qui pourrait renverser vers deux bagailles, frère. Là, on fait élection pour la population. C'est parti politique qui concerne d'abord, ou mettez à côté, ou parfois à quoi avec eux pour former CEPA. Deuxièmement, ou pour changer la constitution. Si la constitution mérite changer, la population dit qu'elle mérite changer, dans une conjoncture, côté que jour et jour on peut voir qu'il viole systématique droit monde qui pas même respecté acquis démocratique yo et on peut voir qu'il pas gagne aucune légitimité qui pas gagné qui pas bénéficié et qui pas inspiré confiance population hein? Donc population pas rentrer dans ça. C'est exactement ça, Mdabaldo. Puis, puisqu'elle fait pile tentative qui réussit, c'est pas jeudi à la fête, nous, ouais, Parlement l'écraser, donc, quatre qui Jean est président, donc, lui-même, l'étape tant de Parlement pour Parlement et caduque, donc, à minuit, exactement, sorti en tweet. Nous, ouais, grand pile l'autre Zach qui posait encore. C'est comme si Mdadjo, il quatre blanches qui lui gagnaient, donc, et, pas gagné, c'est vrai, gagné des mouvements de protestation qui a fait que donc, moun dénoncé ça. Mais on a l'impression que le président senti chaque salle fait qu'il est capable de continuer là-dedans par rapport avec le succès qu'il a gagné dans violer la Constitution déjà. C'est ça que j'ai besoin de venir avec. Je suis d'accord avec vous, son réalité et son président, depuis le monté sous pouvoir, ça lui fait, lui mettait en rébellion avec la loi, lui mettait en face population, lui mettait en face institution, lui rend institution plus faible ou bien lui instrumentaliser, yo, et Jean lui fait pour la police là avec la justice là. Pendant qu'on a parlé de la police qui c'est seule force publique que nous gagnons, qui c'est seule force sécurité que nous gagnons dans le pays, eh bien, la police a joué aujourd'hui à soit regarder la condition qui a travaillé, et c'est inacceptable. Et morale policière a baissé en pile par rapport au traitement qui a pris ses voies et gens victimes, même gens population. Mais il y a là tout qui ont des comportements qui sont inacceptables. Là, il y a violé droit monde, yo refusé et population exercer droit. Mais ça nous capable de dire et rapide et ça c'est une provocation. Nous pouvons jamais un CEP et qui formé depuis 1987 et ni constitution en tout, ça dit sous question mandat avec mission CEP pour CEP gagner mission pour y faire référendum constitution pas dit. Et il pas dit ni pour président, il pas bail président, ni prérogative ça, il pas bail président pouvoir ça, il pas bail CEPA ni prérogative ça. Côté président je dis, Bon, où il est maintenant, là? il y a un débat sur la nécessité pour ta changer la constitution, puisque nous entendons dire que la constitution 1987, ça, ils sont constitution qui est lourde, ils pas capable d'appliquer par rapport avec des problèmes qui créent. Donc, c'est notre optique que ça, président pense qu'il est nécessaire. Et nous connaissons, il y a une démarche qui a faite avec plusieurs secteurs, tant que catholiques, tant que fédération des barreaux, et nous venons sur ça, sur question de la mort. Donc, mettre Dorval là pour être capable, ouais, si être capable de changer et constitution. Hein. Mais Pierre Espérance, est-ce que nous n'avons pas un problème qui est plus grave dans la société à l'heure où je viens? Et c'est-à-dire, tout le monde connaît sa présidente l'a fait à l'hyper-galant côté. Nous faisons expérience déjà. Nous sommes par exemple trois conseils électoraux. Michel Martelly, il était mis sous pied. Conseil, ça a passé quelques temps, un petit mois après ça, et quelques mois, et puis après ça, il a crasé pour compte par yo. Mais nous, ouais, Jovenel Vini. Mais moun sa yo qui accepte entrer dans le conseil, ça, dans la condition, ça, tout. Ça dit quelque bagaille, tout. Et ça toujours fait en Haïti, côté que ou jouen moun ou pas ta pensée, moun qui sorti dans l'institution que ou pas ta pensée, qui accepte mette au bon côté un pouvoir pour violer la loi, pour violer constitution et pour passer droit peuple haïtien et en papier. Par exemple, qui ça nous-mêmes nous pouvons gagner comme défenseur droit moun? J'aimerais dire, c'est la loi,
ces normes, ces principes, ces valeurs pour nous respecter. Et la Constitution 1987 amendée, nous reconnaît vraiment nous. Mais il y a pile monde qui a nécessité et pour amender ou bien changer la Constitution. Mais pour ça arriver fait, il faut le faire dans un climat de sérénité. Côté que gagne une confiance qui établit en la pays et bon côté population yo, population société civile là, parti politique yo avec dirigeant yo, avec moun ki sou pouvoir yo. Journée jodi a ça pas existé. J'aimerais dire li ou gon pouvoir ki la depuis le monté ki mette en face population, ki mette en face institution yo. La polariser institution yo, affaiblir institution yo, et puis y a renforcer gang. Donc avec climat confiance ça qui pas gagné journée jodi a, avec instabilité ça et sérénité ça qui pas existé journée jodi a, donc ou pas capable rentrer dans un débat, dans une discussion sous question à changer constitution pour plusieurs raisons. Exécutif la journée jodi a pas gagné aucune capacité, il pas gain notoriété, il pas gain aucune crédibilité, aucun pouvoir pour convoquer monde ni dans société civile ni dans parti politique, et donc son pouvoir qui perdit ça nous relie toute crédibilité, toute légitimité. Donc l'ensemble ça nous pas capable rentrer dans un compromis avec un pouvoir qui déjà a violé et la loi. Et puis qu'on y a pour renforcer et pouvoir pour mettre notre constitution qui pourra le tailler sous mesure pour pouvoir capable et dit renouveler tête. Et même laisser vrai qu'il y a nécessité pour amender constitution ou bien pour qu'on notre constitution, mais et, donc journée aujourd'hui hein, non pas non environnement pour nous poser problème ça, pas de débat ça qu'a fait et en Haïti journée aujourd'hui dans niveau secteur vitoyo sous changer constitution, même là nous connaît et constitution a des problèmes là-dedans. Débat ça li pas existé. Mais c'est pour voir avec moun qui dans entourage qui acceptait violer la loi qui voulait rentrer dans ça. Mais techniquement tout l'état impossible pour ta grande constitution qui changer, même pour ta faire amendement constitution 1987 là, il dit qui j'en processus dans lui-même l'a fait. Premièrement, pas gagné un parlement qui l'a qui peut enclencher processus là, donc pour voter pour président lui-même lui-même l'a approuvé puisque parlement lui-même n'est pas existé. Et il dit c'est pas sous et pas sous président qui président qui est en fonction, hein, donc c'est pas lui-même qui a entériné, donc c'est président qui a venu après elle, bien qu'il était bon flou dans constitution amendée à sous question ça, donc on pas connaît ou même qui soit répété sur lui. Donc mais c'est en sans façon pour lui techniquement impossible pour ta gagner un changement dans la constitution ou bien changement de constitution ou un amendement qui fait, puisque c'est presque pouvoir exécutif là pour qui existe pour contre les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire m'pas minimiser pouvoir judiciaire donc qui toujours campé dehors dans bail qui gagne la politique en fait, hein, entre guillemets. Mais parlement pas existé jeudi, hein, qui t'a supposé là comme et institution qui était pour enclencher processus qui pour et donc voter pour changer ou bien donc amender constitution et puis voir le bail président pas gagné. Okay. Parlement OK. Non, par exemple, sous question, pour question amendement, effectivement, oui, ça dit, c'est exactement ça. Et possibilité pour te amender constitution sous législature qui était là, et il n'y a pas de faire rien, pas de qui démarche, et dans ce sens-là, donc ça a tombé. Maintenant, pour changer constitution, non, un pouvoir qui gagne, et me dit, support population et que population a gagné confiance et dans lui et pas le pouvoir qui sorti dans élection non n'a pas le dans cadre en transition le, parce que et a fait question et ça référendum non avec un pouvoir qui sorti dans élection il pas prévoir la constitution qu'on est là il est capable dit et secteur vitoyo en dans pays a t'a capable décider. Et mais qui s'annonce et n'a qu'un encore un pacte politique, un accord politique qui dit
nous voulons notre constitution, nous voulons l'élection dans 10 ans, nous, mais ça nous voulons. Ça, c'est société, c'est pays, c'est secteur vital. Mais journée aujourd'hui, et exécutif là, soit exécutif qui sortit dans l'élection, ça c'est un, mais deuxièmement, il n'y a pas de secteur avec lui, il n'y a pas de population avec lui. Donc, l'ensemble, ça pas gagné un climat de confiance, pas gagné sérénité, pas gagné stabilité, nous pas capable de parler de constitution, changer constitution. On y est là, tout le monde qui accepte rentrer dans un processus comme ça et dans la complicité, dans la connivence avec un exécutif, eh bien, Mounzaïo, il vient mettre en face la population. Mais Pierre Espérance, l'autre bagaille m'a aimé. Ouais, même sous qui l'élection t'a dû faite, nous songeons, dans un premier temps, le président était d'accord et le mandat a fini donc en 7 février 2021, jeudi, donc nous attendons, c'est 7 février 2022, il dit. Pas de monde qui connaît, donc qui ça qui va le passer. Je dis là, nous risquons donc aboutir dans. C'est-à-dire, nous pas qu'à parler de plus crise que ça, parce que nous pas croire qu'il y a une situation plus grave que ça encore. Mais nous risquons d'arriver dans une situation chaotique qui gagne des conséquences très graves et sous les pays à vue et problèmes qui déjà gagnent là. Nous arrivons dans zone, nous pas arrivé dans zone 7 février 2021. Président, ça. Donc, évidemment, le pape voulait retirer l'école, puisque nous sommes déjà. Il dit après, bon Dieu, c'est lui-même. Il dit, on monde qui a un pouvoir dans le monde, on va t'acheter supposé Bailly, donc son pouvoir là pour très longtemps. Donc, et, nous et c'est lui pour Bailly pouvoir. Absolument, nous comprenons que le pape sorti qui était pays, le pape sorti qui était pouvoir comme ça. Mais il était gagné presque plus passé 4 ans là déjà, donc pas gagné aucune élection qui fait, ni pour renouveler collectivité territoriale, ni et donc dans élection locale, ni élection législative. C'est-à-dire, le président, il créait propre crise là encore, si je suis capable de dire comme ça. Mais ça, moi-même, t'as aimé ouais, avec vous. Est-ce que c'est pas parce que les gens ont certains supports, nous, ouais, et comportement ça, le président gagné, c'est chaque lait. Deux institutions internationales, donc l'ambassade américaine comme ça, qui sortit en note, nous, et conseil électoral, ça vient presque 24 heures après, tweet, département d'État mettait dehors, donc pour le menacer, moun le dit qu'il ne peut pas aller, et qu'il ne peut pas aimer, donc aller dans l'élection avec Jovenel, moun, donc il ne peut pas aller, conseil électoral la monter. Premièrement, c'est une ingérence grave, exceptionnellement grave, que rejoignent des institutions internationales de pays qui dit. Donc, ses amis et pays d'Haïti, donc, ils ont rentré dans des bagages qui concernaient souveraineté pays d'Haïti comme ça. Mais, ou jouent ces deux bagages comme si ils n'ont pas qu'à faire pour continuer, si pas de bien encouragement de pouvoir d'un coup, et Jovenel Moïse, donc, président pour Jovenel, qui était donc, encouragé et qui agit en fonction de, en fait, sous l'audio, ça va être capable de priver. C'est-à-dire, international, là, les mêmes tous, les gagnants ont participation. Très active, donc, dans les crises qui gagnent, je vous le dis, et Pierre Espérance. Oui, international, là, les complices de ce qui a passé, je vous dis, en Haïti, ils ont fait mes yeux sur tout, ils ont cautionné toute dérive pouvoir à faire, violation constitution, violation systématique de droit monde et insécurité d'État qui ont. Et mettre en pays et crime d'État qu'a fait et sous population. Et pendant les États-Unis, le département d'État a demandé pour former et CEP pour élection en fait, et ils connaissent qui réalité a qui est en pays. Ça veut dire que pouvoir mettre en Genève, et c'est Genève là qui prend le contrôle quartier populaire pour capable gagner élection. Mais c'est même département d'État ça qui dit, et au Venezuela, pas gain aucune condition pour élection et faite et Maduro impliqué dans crime contre l'humanité, Maduro impliqué et dans violation systématique droit monde Maduro et pas gain trop différence, pas aucune différence entre ça qui a passé au Venezuela avec en Haïti. Au Venezuela gain violation systématique droit monde, gain répression contre opposants, c'est même réalité à qu'on gain en Haïti. Et donc, et c'est pour montrer que destin pays a, il dépend des Haïtiens. Et c'est ça qui fait l'important pour Haïtiens lever, camper contre des rivaux pour combattre des rivaux. Moi, bon exemple. Et Jovenel Mandal
c'est la constitution 1947 amendée, mandat a fini 7 février 2021. OK. Là où il est 7 février 2021, si Jovenel était sous pouvoir, Haïti pourrait passer une année qui est plus difficile que l'année 2018, 2019, 2020. M'ajoute 2020 parce que, et pour qui ça, et Corona quand même, il a affecté nous même si pas grand pile monde et qui est victime, qui mourit, mais on connaît l'économie pays à ce qui ça lui repose. Alors, c'est pour l'année 2021 avec un petit bilan, pour plusieurs raisons. Ça y a tenté de faire, pas capable de gagner l'élection en Haïti en 2021. Pas capable de changement constitution en 2021, laisse ça et pouvoir pour le camper et en face et population. Mais le président parle de mandat. Mandat bon contenu. Et mais ça moi ouais autorité en Haïti fait si tu sous pouvoir ça, c'est un pouvoir qui a joui tout privilège qui lié avec fonction mais il a retiré toute responsabilité qui yo gagne. N'a regardé pour dégâts pouvoir ça fait en dans pays dans économie pays là dans institution pays là et mais les équipes ça qui était sous pouvoir vraiment population va bien en pile travail et monde qui va prendre tête l'état ça et vraiment va dans en pile travail yo pral besoin et société a et parti politique yo vraiment qui pour travail qui pour reconstruire institution yo parce que son pouvoir et qui écraser toute institution yo et institution presque pas existé et même là c'est vrai nous pour non état de droit en Haïti mais tout indique te gain certains indicateurs qui étaient là mais journée jodi a tout indicateur yo dans question état de droit yo au rouge donc et dernier arrêter ça et pour nous mêmes c'est une provocation c'est et on dire dernier goutte d'eau pour renverser vers. C'est ça, nous sommes expliqués, en fait, nous sommes exactement expliqués très bien. Maintenant, moi-même, sur la question Venezuela, je me suis posé une question, heureusement que tu as répondu. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les Américains ont gagné des agendas différents. Au Venezuela, ils ont un intérêt, ils ont plaidé pour un bagaille, mais en Haïti, donc peut-être que nous ne pouvons pas même bagaille avec Venezuela, nous pas gain pétrole, nous pas gain l'autre bagaille, donc soyez bouqués ensemble avec nous, mais c'est pas bouqué tellement puisque stratégiquement yo pas capable quitter et donc Haïti fonctionner pour contre lui. Yo gain un discours et à deux vitesses, yon pour Venezuela, yon pour Haïti et il se trouve que yo joignent des autorités haïtiennes très malheureusement qui jouent yo et donc j'en saute dire c'est haïtien pas gagné donc possibilité développement pas qu'à faire avec quelqu'un l'autre monde il pas qu'à faire avec aucun ambassade ni l'union c'est l'union c'est là c'est Haïti haïtien qu'à faire lié entre eux-mêmes que haïtien qui était et donc en Haïti que haïtien qui eux-mêmes à vivre dans pays étranger c'est comme ça et Pierre Espérance donc et moi à virer avec ou son l'autre dossier nous connaît qui est aussi crucial donc qu'il y ait tout et avec même bayou puisque nous connaît et bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince et maître Montferrier d'Orval les mêmes qui étaient fait en pile réflexion sur question constitution tu gagne consultation qui était même faite avec lui et que ce soit dans niveau pouvoir que ce soit dans l'autre niveau tout pour capable voir qui gens étaient capable et venir ensemble avec question changement et constitution ça et très malheureusement non ouais bandi donc entre la caille et bâtonnier donc yo assassiné lui et ça plus grave là Batonia a arrêté dans zone qui t'a supposé gagner plus sécurité dans tout pays puisque c'est dans zone ça tout président donc les mêmes l'arrêté naturellement on pas connait qui distance Kai et président avec Kai Batonia en quel monde quelle que soit autorité pas t'a supposé donc mourir voir un monde qui arrêté dans zone côté président gagne caméra dans zone là gagne la police c'est juste ça la police pas dans checkpoint yo parce que yo pas t'a faire et yo te ba au congé ou bien yo te gagne journée en amayo et nous ouais policier qui te joine arrestation yo l'autre policier entré yo mette yo dehors premier ministre l'a dit il était passé l'ordre pour inspecteur général chef PNH l'a té gétan la gagne yo donc nous ouais
C'est comme si Mdado yo assassiné Batonia en deuxième fois encore par rapport avec gestion qu'a fait sous et question ça. Ou même comme personnalité qui est bien placée, puisqu'on se défend ses droits monde, qui gens comprennent la situation ça? Crime qui fait sous Monseigneur Doval là son crime d'État. Nous allons expliquer pour qui ça nous dit crime d'État. Zone côté Monseigneur Doval Ritia, et c'est Pèlerin 5, c'est une zone qui sous Pigou civil en sécurité et son zone qui même sécurisée qui est champ de masse. Parce que Pèlerin 5 là, c'est une rentrée, une sortie, et sortie à c'est où tu es battu, côté monde pas fréquenté et presque. Et mais gain on préfixe la police ni rentrer ni sortir. Ça veut dire que quel que soit ça qui fait dans Pèlerin 5 là et sans compter et de l'autre policier dans l'unité dans la police ça Idmo bien Simo qui toujours à bail sécurité dans zone là. Si on monde pas de contrôle sécurité zone là ou pas qu'à rentrer dans ça pour faire un crime pour sortir. C'est parce qu'il y a un contrôle et force publique dans la zone. Là. Mais l'autre bagaille, il y a d'autres thèses non avancées pour nous dire son crime d'État. Et par exemple, crime n'a fait le 28 août, vendredi 28 août, c'est 4 jours après, le 31 août, commissaire gouvernement a annoncé qu'il prend sous scène crime n'a et libéral et aller avec et police scientifique. Alors que, commissaire gouvernement a gagné pour devoir, pour obligation, immédiatement après crime n'a fait, dans le moment flagrant, sur jour crime n'a fait là et dans demain, dans samedi, pour te mener une enquête proximité, pour parler avec moun, pour moun dire ça a été ouais, ça a été tendé. Et moun qui était là tout pour bailler sécurité dans la zone là, enquête proximité, ça n'a pas fait. Ça veut dire que l'ordre qui te baille pour enquête pour proximité, ça n'a pas fait. Et c'est même commissaire gouvernement, ça a tout, qui, et alors, le nom du commissaire gouvernement, pour mon capitaine de nous, commissaire gouvernement, yo, et ses représentants exécutifs là, dans le judiciaire, ils ont sorti dans l'exécutif là. C'est même commissaire gouvernement, ça, dans la conférence pour la presse, c'était lundi 31 août là, il dit que lui sécurisait scène crime. Et les commissaires gouvernement rivés et quand ils fait d'Oval mardi 1er septembre, quand ils vandalisaient tout bagaille fait. Et qu'on a continué. Pendant ce temps, la police judiciaire saisit des dossiers. Son bagaille n'a pas jamais fait. Côté que les DCPJ a mené enquête li, pour même ni DCPJ, ni porte-parole la police. Pas jamais un responsable de la police tout qui baille conférence de presse, qui baille un point de presse sur avancement ou enquête et police judiciaire. Celle des CPJ qu'on parlait et porte-parole la police parlait sur enquête des CPJ, c'est les des CPJ transférés et documents qu'elle gagne, rapport partiel, tout ça gagne baille paquet et puis ils sont capables d'effleurer ça. Donc, ça, comportement commissaire gouvernement, il suspecte dans le dossier ça. Et puis, crime n'a fait le 28, samedi 29, président a fait 3 tweets. Président a une conférence de presse. La présidente sortit une note. La primature sortit une note. Et puis, ministre communication sortit une note. 7 communications qui sortent bon côté exécutif là, un jour après crime n'a. Toutes ces paniques. Qu'on est là pour avancer toujours dans crime d'État. C'est l'organe des mouns qui est arrêté, qui est déladé, tous les deux, c'est des mouns qui ont de bonnes relations, qui ont rentré sorti et dans le palais national, qui ont de bonnes relations avec le palais national. Et mouns, ça, que moi-même, pas considéré comme mobile avec autant intellectuel que maintenant, nous avons plus considéré ces mouns qui coordonnaient les assassinats et peut-être ce sont les complices avec exécutant. Donc, et son crime d'État, et moi-même, moi espérer que l'avocat et Souké plus poursuivent ça nous les procédures pour dénoncer et toutes les autres qu'a fait et pour et vraiment enquête ça capable d'aboutir.
même les tout yo gen bon juge pour yo bay dossier peut-être yo déjà bay li pour assurer yo que c'est bon juge de l'équipe. Là on dit juge de l'équipe là n'a pas le justice là ou gen on c'est des juge ça yo pas rien yo pas fait pour l'argent. Même si yo gen toute preuve, tout indice, tout code délit nan men yo, eh ben depuis yo joine l'agent, il a libéré ou bien laisser dossier pouvoir yo faire le marché tant coup et TGV. Donc comme c'est un avocat qui mouri son bâtonnier, avocat reconnaît ça pour faire et nous même tout n'a veillé et pour nous ouais qui ça qu'a fait et dans dossier a. Mais faut que nous reconnaître que en Haïti la justice haïtienne a joué un rôle important dans Québec climat impunité avec corruption et dans le pays a. Donc c'est pas assassinat Montferrier Dorval qui pral transformer et la justice là et nous ouais crime ça semblait coup de goutte d'eau avec crime qui était fait sous le 3 avril 2000 sous Jean-Claude Ruissin avec Jean-Dominique et là où tu commencé enquête ou ouais que yo commencé disparaître toute preuve tout indice et journée aujourd'hui et plus passé 20 ans après l'enquête se poursuit Jean-Dominique par jambe jeune justice mais Pierre Espérance c'est bagaille très grave n'a parlé là ou et donc la police a arrêté des monde qui gagnait comme si Simdadjo là de très bonnes relations gagne monde yo présenté mais par contre c'est quatre vrai donc comme quoi il t'a travaillé dans palais national c'est-à-dire palais national un président de la République c'est monde qui t'a supposé au-dessus de tout et sont de comme si Simdadjo soupçon de tout soupçon comme quoi pas de monde qui t'a droit suspect comme président non, question des bah, criminels. Et où je viens, c'est des mondes. On t'a dit la présidence par les nationales, oui. Absolument, la présidence. Maintenant, où je viens, c'est des mondes comme Simdado, nous t'étendons pour le premier ministre qui t'a parlé. Ah oui, nous toujours un bon rapport ensemble avec Izo, donc Izo a son chef gang. C'est-à-dire, un étranger qui a peut-être déjà dit là, c'est ce qui t'a compris créole. Il n'y a pas de prendre nos moyens. Un premier ministre dans le pays qui a parlé ensemble avec des chefs gang. Nous songeons qu'on a tel des conseils des documents, et Jean-René Sénatus était sorti qui montrait. Et Anel Joseph, tu as gagné environ plus de 15 minutes de conversation ensemble avec le monde dans le palais national, y compris le président de la République. C'est-à-dire, vous avez un pouvoir donc légitime, vous avez un pouvoir comme si qui légitime le banditisme, qui légitime le crime, et vous n'avez pas peur, vous n'avez pas caché de rien, donc tout le monde connaît la situation comme ça. Comment une société est capable de continuer à vivre dans des conditions comme ça? Emmanuel Paul, te dit dans le commencement, tout indicateur en Haïti dans la question de l'état de droit est au rouge. Et moi, je dis que la justice haïtienne joue un rôle important dans le climat impunité avec corruption en la pays. Son justice est qui malade. Et nous avons deux institutions qui sont moteur démocratie en Haïti. C'est la police, c'est la justice. Dans l'état, la justice là, il y a et ni la police là, la justice là, pas jamais dans l'état ça, et après départ Jean-Claude Duvalier en 1986. La police nationale là, dans l'état qu'il y a aujourd'hui, il est plus mal que 2001-2004. Institution ça, aujourd'hui, c'est des institutions qui instrumentalisé et qui sous contrôle et exécutif là. Et j'en dis là, c'est vrai, les regarder, par exemple, un monde qui a arrêté, le dernier monde qui a arrêté, sont certains Villepic. Villepic là, avant de arrêter, il y a 4 jours avant l'arrestation, et il a arrêté, il a arrêté, j'ai dit, 10 et il a arrêté le jeudi 10 septembre. Lundi 7 septembre, il a eu une interview dans la radio et dans la capitale. Je ne comprends pas comprendre pourquoi ça a interview ça, mais il a eu une interview. Il a expliqué dans l'interview, il a fait campagne, il m'a parlé de Villepic. Il y a eu un monde qui a arrêté dans l'assassinat de Montferrier Dorval. Et c'est Villepic là, commissaire gouvernement dit que bon l'autre monde qui est les Black et qui mourit 2 jours après assassinat et Black là c'est
c'est ta ville et c'est un monde qui est impliqué dans l'assassinat et qui est Villepic qui a fait assassiner. Là, dans l'interview Villepic là-bas, jour le 17 septembre 2021, je me dit, lui-même, il fait campagne pour président Jovenel. Président Jovenel, Jovenel est président, il a une bonne relation avec le Palais national. Le premier dame, nan, ou bien Palais national, gen, et aide pour le bail dans Pétionville, ça aide ça a passé par lui-même. Et il te continue pour dire, et il parlait avec le président l'élevé, il parlait avec premier dame nan, l'élevé. Donc, mais réalité, ça n'a pas vivre en la pays, et c'est une impunité totale. Et c'est ça que nous dit, si société a, mais d'abord avocat yo, yo pas engagé yo, et pour lumière fait sous crime ça, dossier a pas avancé, parce que yo même yo connaît procédure, yo connaît système nan bien, yo connaît juge qui plus ou moins yo, yo connaît ça qui honnête yo, yo connaît ça qui pas bon yo. Faut que comme yo avocat yo gen avocat qui gen pour porter partie civile, faut que yo veille à ce que dossier ça yo confie avec un juge qui respecte ça la loi dit, qui pas banaliser la vie moun même gens avec pouvoir, même gens avec l'autre acteur dans chaîne pénale. Maintenant, et Pierre Espérance, nous déjà donc revenons dans les points finis par rapport avec situation ça ou même décrit là nous autres là toute dérive ça au cap fait. Je dis à dans situation est difficile pays ça lui-même les trouver sur d'autres points que ce soit dans niveau économie même si je dis à nous l'argent américain donc a descendre mais produits ont toujours été même prix donc il y a pas descendre parce que on te dit c'était c'est l'argent qui est monté qui fait produit monter maintenant l'argent descend produit pas descendre nous ouais on monde qui citoyen donc cap marché Haïti jodi an là c'est comme quoi faut ta tout fait testament parce qu'il pas connait s'il a pas entré et même s'il t'a entré il pas gain garantie entre la caille l'a sauver parce que bandi quand entre la caille il a trouillé le tout. Est-ce que jodi an ou même comme défenseur droit monde ou est gon chance jodi an là pour Haïti lui-même il t'a connait dès l'an des meilleurs donc jodi Haïti t'a rallon souffre par rapport à situation qu'a fait là parce qu'on a l'impression tant et situation a changé, c'est comme ça la vienne plus mal. Donc, nous toutes les pensées sous Matéli, nous pas arriver plus loin que ça. Et je dis à là, ouais, donc c'est pas plus loin seulement nous arriver. Et monsieur Dame Sayok là, il n'est pas trop prêt pour la rébaille. Donc, c'est des après Dieu. Et qui sont même vous faire comme conclusion très rapidement avant nous et clôturer l'interview ça? Moi-même, ça me capable de dire, et si je n'ai pas de espoir pour payer ça, je ne vais pas à parler avec Rounier là, m'a milité dans la question de droit. Moi-même, moi, j'étais croire que le pays ça est capable de changer. Et pour le pays à changer, ce n'est pas ni le département d'État, ni le gouvernement français, ni le Congrès américain, ni la Maison Blanche qui pourra changer pour nous, c'est Haïtien pour changer le pays. Oui, par exemple, dans le tweet que l'ambassade américaine fait sortir et ça a gagné 3 jours. Sous question CEP, si même si l'exécutif a une volonté pour mettre CEP, s'il pas jeune moun pas cap gagner CEP. Même gens gagne des moun gagne des secteurs et qui est décidé ou bien des moun dans secteur des institutions qui gagne des notoriété qui décidé pas rentrer dans CEP avec pas entrer dans compromis avec un exécutif qui a passé constitution 1987 là et en bas pied qui a passé la loi en bas pied et donc yo pas entré dans ça moi crois que et bataille pour société ça chita son état de droit li concerner parti politique yo li concerner toute société à travers structure à travers organisation yo et dans société civile là c'est pour yo mettre tête ensemble c'est pour yo goumer pour yo camper en face tout plan machiavélique pas entrer dans compromis avec un pouvoir qui a violé la loi, qui a gangsterisé un pays, un pouvoir et que la vie moun pa gen aucune importance, un pouvoir qui banalise la vie moun. Et moi crois que depuis où jwenn an pile femme avec garçon qui
comment c'est engagé, j'ai été mené bataille qui ont mené l'année passée avant 86, après 86, jusqu'à récemment, il faut qu'ils continuent bataille encore parce que la vie a son lutte qui est liée, il faut qu'on bataille, il faut que nous gommions pour la société noire chita sous état des droits. Je dis, par contre, aucun côté en Haïti au monde où gagner sécurité. Pas de sécurité. Et ouais, et il y a parlé d'un groupe policier qui est 509 et fantôme. Mais réaliser 509 là, c'est frustration qui gagne dans la police. Et lorsqu'on parle de fantômes, fantômes là, il y a deux premiers ministres, il y a deux présidents, il y a deux ministres, pas une unité dans la police qui parle d'un membre fantôme là-dedans. Donc c'est parce que la police a révolté. Naturellement, j'ai fait des revendications, parce qu'il est inacceptable. Yo pas capable, la police pas capable d'utiliser violence pour faire revendication passer, mais c'est pour montrer que okay, Jean l'État, li nan la ri, Jean institution yo pas existé encore parce que moun ki dans institution yo a souffri, yo victime avec un pouvoir qui a violé la loi, un pouvoir qui a renforcé gang et pour nous capable joindre fin et pour nous capable joindre bout de bagage yo, c'est pas l'autre bagage qui vous fait, c'est haïtien pour mettre tête ensemble pour bataille pour goumer pour société achita son état des droits. Parce que moi-même, j'ai un bon exemple. Et rapide, ça, et récemment, hier, j'ai parlé avec un monde qui vient pour venir en Haïti et incessamment. Il dit que, il n'est pas venu encore. Il dit, mais qui ça, il vient? Et il dit, oui, mais j'ai un pays, il n'est pas rentré là-dedans. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, en Haïti, l'air où sorti, c'est leur entrée qu'on connaît. Et parce qu'on n'a pas compte qui sera besoin dans l'arrière. Ça, il n'est pas normal. Nous pas capable de vivre avec tout stress ça yo. Nous besoin une société qui chita sous la loi et une société qui chita sans force côté et pour nous joindre ça c'est bataille pour nous bataille et c'est goumen pour goumen principio faut que nous défendions et nous pas de nous faire nous complices de aucune autorité qui a violé la loi qui a passé la loi en bas pied. Merci en pile Pierre Espérance, c'est un plaisir pour nous te gagner avec nous. Nous connaît et qui qualité sacrifice ou faire voter ballot autant ça et nous aller au-delà du temps nous était et donc à planifier avec quoi nous te content pile gagnon passons un bon week-end. Kembe FM et n'a continuer penser que c'est pas pour la dernière fois le besoin nous pas hésiter contacter nous. Voilà donc c'était Pierre Espérance qui c'est et directeur exécutif réseau national cap défendre droit monde RNDDH, Jean, nous habitués de l'île, donc continuez et suivez nous. Objectif nous, c'est aider donc la bataille pour gagner on et puis bon société pour demain. Je dis, je suis capable d'entrer la caille moi-même, pas peur, donc je suis capable de mourir, mourir de tous côtés, nous, ici aux États-Unis, gampile, répression faite, gampile, et insécurité, tout, mais nous pas gagner, situation ça gagner. Non, et pays d'Haïti. Et c'est frère nous, c'est cher nous, c'est cousin nous, cousins nous, amis nous, famille nous. Donc tout le monde nous concerne, quel que soit côtoyé. Donc, ou gagnez un mot par pour dire et non dossier ça. Pas hésiter, suivre nous, visiter site internet nous, qui c'est www.zoomhaititv.com. Et puis, et donc, à page nous, sur Facebook, sur YouTube, nous, à content ça. Passez une très bonne semaine, passez un très bon week-end. N'a pas gagné chance de parler avec vous une autre fois encore.